Salut, salut à vous tous, mes très chers scorpions. Je suis aujourd'hui ici pour vous remercier de votre soutien, de vous abonner à ma chaîne Natural Therapy, à partager mes vidéos, à liker, à commenter pour vos donations. Je vous remercie beaucoup parce que tout cela aide beaucoup à la continuation de cette activité que Natural Therapy réalise tous les jours pour vous. De manière que, comme cadeau de gratitude, je vais vous faire une lecture sur vous, sur votre vie, et les passés récents, les présents et peut-être ce qui va venir croiser votre chemin. Et en tout cas, je dois vous avertir que ce type de lecture que je vais vous faire dans les marges d'une tasse de café, ce n'est pas vraiment une lecture qui va résonner dans tout le cœur parce que j'utilise un type de langage qui est assez métaphorique, assez symbolique, abstrait. Si jamais cette lecture ne résonne pas dans votre esprit, dans votre cœur, ce n'est pas grave, vous le laissez tomber. Et je pourrais aussi vous inviter à regarder les messages contenus dans l'autre signe qui correspond à votre signe ascendant lunaire et aussi la position de votre Vénus dans votre carte astrale, parce que c'est très possible que vous trouviez un message pour vous qui résonne dans votre cœur. De manière que, dites tout cela, je commence à vous dire ce que je peux percevoir dans cette tasse de café. Alors, l'énergie générale, l'énergie prédominante que je vais percevoir ici, c'est que vous êtes dans un moment où l'univers semble vous envoyer des messages, des signes pour réaliser vos illusions. Vos illusions. Vous, peut-être, vous, la racine de votre pensée, la racine de vos croyances, la racine de votre principe. Il y a un paquet de tout cela qui est enraciné dans une illusion. Une illusion est quelque chose que vous croyez mais qui n'est pas réel, qui n'est pas réel pour vous, pour qui vous êtes, pour votre histoire, pour vous, pour ce que vous voulez accomplir, pour ce qui vous rend heureux, pour ce qui vous rend en paix. Et puis, c'est une illusion parce que vous continuez à croire, soutenir, nourrir une activité, une croyance, une manière d'être, une habitude, une personne, une situation, que finalement ça ne vous conduit à rien et à nulle part. Et puis c'est ça, l'illusion que vous êtes censé appeler en ce moment, je suppose, à réaliser en vous. Voilà, ça commence un peu dur pour vous, mais je dois être honnête avec ce que je ressens ici. Je peux percevoir ici comme si vous êtes en train d'escaler la montagne. Vous êtes en train d'escaler la montagne avec beaucoup d'efforts, et vous êtes contrarié parce que vous faites des efforts pour essayer de comprendre, résoudre, améliorer une situation, manifester dans votre vie ce que vous voulez. Et par contre, pour arriver à ça, pour essayer même de faire les essais, c'est vraiment difficile, ça vous contrarie beaucoup. Vous êtes contrarié, vous mettez beaucoup d'efforts pour quelque chose que même la manière de faire les efforts vous rend satisfait. De manière que le secret, c'est d'être heureux durant les chemins. Tandis que vous arrivez à là. Et ces chemins, il faut les profiter. Il faut être heureux. Il faut s'épanouir dans la marche, à cet endroit, à cette situation, à cette personne que nous voulons. Mais marcher dans la contrariété, la colère, ça vous fait du mal et vous êtes... vous avez la pensée assez brouillée. Voilà. Pour certains parmi vous, il y a encore une tension rajoutée peut-être.
parce qu'il peut avoir de certains blocages financiers. Les finances ne sont pas fluides, ça bloque. Vous pouvez encore remettre des efforts et de vous casser la tête de comment résoudre, mais il y a toujours un blocage. Mais ces types de blocages ne sont pas de nouveaux blocages, ça vient d'avant aussi. Vous l'avez déjà expérimenté. Et ça va, je pense, j'ai la forte impression que le blocage financier sont aussi liés à cette manière que vous savez, okay, la vibration que vous portez avec vous en ce moment de faire des efforts contrariés, colère, beaucoup d'efforts. Il faut trouver une manière de faire le chemin de légèreté avec à l'aise, en confiance. Ça pourrait aider à débloquer les finances. Alors, ce que je vais dire, peut-être c'est un peu spécifique pour certains parmi vous, pas pour tout le monde. Vous les prenez bien si ça ressemble, sinon vous laissez tomber. Là, il y a certains parmi vous qui vous voulez vraiment, ou vous cherchez consciemment ou inconsciemment, un rôle de mère, de féminin, d'une femme qui puisse vous accueillir, qui puisse vous aimer, qui puisse être tendre, affectueuse, amoureuse. Et puis, vous cherchez ce rôle de mère que vous, peut-être, vous n'avez pas vécu et vous le cherchez encore inconsciemment. Vous voulez vivre ça. C'est comme si inconsciemment, vous voulez reconstruire cette relation avec la mère qui n'a pas comblé les besoins profonds de l'émotion profonde de votre être. Et il y a une recherche inconsciente ou consciente de cela, de cette reconstruction, de trouver cette vibration. Je perçois ici que vous essayez de vous faire plaisir dans les choses matérielles de la vie, mais à fin de compte, quand vous essayez de, par exemple, aller manger au restaurant, aller se réunir dans une boîte, choses matérielles de la vie, aller avec des amis, manger certaines choses, avoir certaines musiques, certaines choses matérielles. Tout cela, vous procurez avoir ça pour vous, vous l'appréciez, mais finalement, à la fin de la journée, vous avouez que ça vous laisse un peu vide et indifférente et que ça ne comble pas vraiment. Là où vous dépensez votre temps, votre argent, et pour vous procurer un peu de bien-être, finalement, en fin de compte, à la fin de la journée, c'est pas si épanouissant que cela. Alors, peut-être certains parmi vous, vous venez de passer, vous les vivez, ou vous allez éventuellement les vivre, et une forme de tristesse dans le cœur par rapport aux histoires de couple. Il y a une tristesse, une noirceur autour de vous, parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à réussir dans l'amour. Mais c'est justement cette blessure, dans cette faiblesse, que vous devez trouver la force pour vous transformer. Justement. Faites de l'amour, de cet amour que vous sentez, de toutes ces émotions qui vous lient à cet amour frustré, qui vous fait de la peine, laissez que cette faiblesse, que cette vulnérabilité en vous devienne votre force et votre puissance de transformation personnelle pour vivre vraiment de la légèreté, la joie et laisser en arrière les efforts, la contrariété, la sensation de ne pas jamais réussir à ce que vous voulez.
Voilà, c'est le message que je peux dire de la manière la plus claire. Vous savez des aspirations spirituelles. Vous savez des aspirations et peut-être certains parmi vous, vous êtes dans la recherche de compréhension de comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses sont comme elles sont et pourquoi il ne semble pas avancer votre vie, pourquoi vous vous sentez bloqué. Vous vous posez des questions et vous êtes dans la recherche. Il y a une inspiration de vouloir vraiment vivre autre chose, expérimenter autre chose. Et vous savez, si vous cherchez, vous trouverez. Ça, sans doute. C'est le moyen, c'est le chemin. Peut-être certains parmi vous, vous sentez que le chemin de votre vie, c'est un peu. Comment dire? C'est pas droit, c'est pas clair. Et vous avez peut-être du mal à mettre une logique au parcours de votre vie. Et parfois, ce manque de logique dans le parcours de votre vie, comment votre vie s'est passée, ça vous met un peu dans la confusion des bon, et finalement, je suis là pour quoi faire? Je suis là pour vivre quoi? Je suis censée trouver quoi, faire quoi. Il y a un sens de manque de clarté. Et ça va lier à, quand vous regardez en arrière, vous ne trouvez pas trop de logique à ces schémas de vie que vous avez vécu. Je vois ici que plus vous réfléchissez sur cela, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ma vie, quel est le chemin. Essayez de trouver une logique et un sens de ce que vous venez de vivre, de ce que vous êtes en train de vivre. Cela vous permet d'avancer. Même si vous ne trouvez pas les réponses immédiatement, cela vous permet d'avancer et les réponses vous seront données. Mais il faut sortir de cet état de colère, contrariété, frustration. Parce que vous ne pouvez pas écouter les réponses ni voir les signes à vos questions. Vous posez des questions et si vous n'avez pas de réponse en retour, c'est parce que vous n'êtes pas préparé à recevoir parce que c'est la vibration que vous avez en vous. Et vous devez utiliser la douleur, les histoires malheureuses, l'incompréhension, la tristesse de cœur pour vous transformer et transformer cette vibration qui vous empêche d'écouter et de voir vraiment avec clarté qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce monde et qu'est-ce que vous censez faire dans ce monde. Voilà. Je pourrais même dire, vous avez vraiment un désir de libération. Vous voulez vous libérer d'une sorte, d'une dose de souffrance que vous portez. Vous voulez vous libérer. Vous cherchez la libération carrément. Et je vois ici que vous êtes très pris. Des traumatismes de l'enfance. Cette libération a à voir, en quelque part, avec la réalisation des traumatismes qui vont lier à votre enfance et peut-être avec la relation avec votre mère, parce que vous la cherchez toujours. Et vous voulez libérer cette relation, améliorer cette relation. Et peut-être, c'est seulement en guérissant et en libérant la relation avec la mère et les possibles traumatismes qui se sont causés durant l'enfance que vous allez vous transformer aussi et vous guérir et débloquer les finances. Ça va lier votre enfance, votre famille, l'histoire, ça va lier à votre finance et à ce qui se passe dans votre situation financière en ce moment. Voilà, c'est là que je peux dire. Et je continue à voir ici, il y a
Dans cet état de frustration, d'effort, contrariété, vous ne pouvez pas vraiment connecter avec les réponses que vous cherchez. Et bien sûr, ça nourrit la frustration parce que vous posez des questions à l'univers et vous ne percevez pas les réponses à cause de la vibration que vous avez. Et ça vous frustre encore plus et ça vous fait perdre la foi encore plus. Mais ce n'est pas que vous attendez les réponses. Les réponses vous attendent, vous. Ce n'est pas la faute de, on va dire, Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous attend. C'est Dieu qui vous attend. Voilà, c'est là que je veux dire. C'est Dieu qui vous attend et pas à l'inverse. Mais sauf que vous êtes en train d'attendre le miracle, attendre Dieu, que Dieu se manifeste dans votre vie, mais en fin de compte, c'est à l'inverse. C'est Dieu qui vous attend. Voilà, que vous soyez prêts, que vous compreniez quelque chose, que vous réalisez quelque chose et vouloir vous libérer. Voilà, j'espère vraiment que quelque chose de ce message que j'ai dit ici puisse te servir à quelque chose, à que puisse te guider à trouver ta propre vérité et faire le discernement de ce qui est vraiment réel et ce qui pourrait être une illusion que tu prends comme réel, parce que c'est ça qui va te libérer. Ok, de manière que encore merci d'être là. Merci de ton soutien, de ta présence ici aujourd'hui avec moi. Je te souhaite une très belle continuation. Et puis, je te dis à très bientôt.